Ce mercredi 16 août 2023, Karine Le Marchand célèbre ses 55 ans. Pour l'occasion, elle a décidé de prendre la parole sur sa page Instagram, afin d'adresser un message fort à ses abonnés. Vieillir est un cadeau, affirme avec fierté Karine Le Marchand, l'icône incontestée du petit écran français, en célébrant son 55e anniversaire. À travers un message poignant partagé sur Instagram, la charismatique animatrice de l'amour et dans le pré offre un vibrant plaidoyer en faveur de l'âge, de la beauté et de la puissance des femmes de plus de 50 ans. Récemment, elle partageait ses espoirs en amour, et en ce 16 août, son discours teinté de confiance, de positivité et d'humour, résonne comme une ode à la vie et à la liberté, répondant à la question qu'elle soulève, qui nous représente dignement? Karine Le Marchand pointe du doigt la stigmatisation du vieillissement à une époque où la société tend à glorifier la jeunesse comme la norme de beauté. Karine Le Marchand rappelle que l'âge apporte une richesse inestimable en termes d'expérience et de sagesse. Avec une sincérité revigorante, elle met en lumière l'importance de s'affirmer et de s'aimer sans réserve, tout en pointant du doigt la stigmatisation du vieillissement qu'elle considère plutôt comme une source de force, qui nous dit qu'on a le pouvoir de changer le monde à tout âge si on se donne l'énergie de s'en emparer. Son appel touchant à la sororité éveille un sentiment de solidarité et d'unité, incitant chaque femme à s'épanouir à chaque étape de la vie. L'animatrice de l'amour est dans le pré délivre un message fort. Karine Le Marchand encourage donc les femmes à embrasser la liberté qui découle des nouvelles étapes de la vie. Elle interroge les femmes sur les pressions qu'elles subissent et qui devraient être remplacées par des mots positifs, qui nous dit de profiter de notre liberté, alors que nos enfants s'envolent, plutôt que de nous parler du manque cruel du nid vide. Sa vision d'une vie épanouissante, exempte de contraintes et de jugements, résonne puissamment, incitant à l'épanouissement et au renouveau, quel que soit l'âge. Les commentaires emplis d'affection et d'admiration ont afflué rapidement, dont celui de Mathieu Séchin, « Mais que tu es belle, plus les années passent, plus ton aura est puissante et belle. » L'animatrice conclut, pleine de positivité, « Mes sœurs, je vous le dis, vieillir est un cadeau, vivre est un art. Let's go la vie. On ne lâche rien. »Step a God who sees.